Shalom leiboy na boy, Hashem lo yishmarich. Shav shokat shoy bay, Hashem lo yirne bayis. Shalom leiboy na boy, Hashem lo yishmarich. Shav shokat shoy bay, Hashem lo yirne bayis. Shalom leiboy na boy, Hashem lo yishmarich. Shav shokat shoy bay. Bonjour. Nous arrivons à la septième douleur et allégresse de Saint Joseph. Luc est le seul évangéliste qui raconte le recouvrement de Jésus au temple, ou encore Jésus au milieu des docteurs. Pour Marie et Joseph, c'est un moment douloureux. Marie dira « Ton père et moi, tout angoissés, nous te cherchions ». Douleur de l'avoir perdu, allégresse de l'avoir retrouvé. Douleur aussi de se faire rappeler par Jésus qu'il n'est pas le père le plus important pour Jésus. Si Jésus est resté au temple, c'est qu'il doit s'occuper des affaires de son père. Pour Marie et Joseph, cette réponse demeure énigmatique. Ils n'ont pas compris ce qu'il voulait dire, ni ce qu'il avait fait. Le récit précise cependant que Jésus est descendu avec eux à Nazareth et qu'il leur était soumis. Prions Saint Joseph, modèle des pères d'aujourd'hui. Joseph, Saint Joseph, permets que nous te prions pour tous les pères qui, comme toi, guident un enfant jusqu'à sa maturité, jusqu'à la découverte de sa mission dans la vie, sa vocation. Il est douloureux de lui voir prendre des initiatives imprévisibles. Nous ne comprenons pas toujours les orientations et les décisions qu'il prend. C'est douloureux de ne pas comprendre. Parfois, nous sommes angoissés par ces expériences. Jésus t'a fait vivre cette angoisse, à toi et à Marie. Assiste tous les pères qui accompagnent des adolescents, des jeunes adultes, qui s'émancipent de la relation des enfants dociles, dociles à ce qu'on pense pour eux, pour choisir et explorer le monde qui est le leur. Apaise l'angoisse de ses pères devant l'imprévu. Inspire leur adaptation simple et juste à l'homme, la femme, que devient leur enfant, leur petit. Même si nous ne comprenons pas toujours, fais que nous puissions vivre dans la soumission réciproque en vue de l'œuvre commune au papa et au petit. L'œuvre commune de grandir jusqu'à ce que cet enfant devienne, pour son bien et le bien du monde, selon le plan de Dieu, le Père des cieux. Nous te le demandons par Jésus, ton grand garçon, qui est notre Rédempteur, notre Seigneur. Amen. Je vous présente une icône de Saint Joseph un peu originale. C'est Jésus et Joseph à la lumière de la croix. C'est une icône moderne. Elle illustre bien ce que Joseph et Marie se font dire sans comprendre lorsqu'ils le retrouvent dans le temple au milieu des docteurs. Ils ne peuvent pas encore comprendre la croix qui se profile à Jérusalem, l'incompréhension de la personne et de l'enseignement de Jésus par les docteurs et les prêtres du temple qui vont le rejeter. La condamnation par le Sanhédrin, le supplice de la croix, puis la victoire de Dieu sur la mort par la résurrection glorieuse et la connaissance nouvelle de Jésus et de sa parole, accessible aux croyants comme Joseph et Marie, les apôtres, plusieurs docteurs de la loi, les pharisiens, et vous et moi. Voilà ce que nous pouvons lire dans cette icône moderne. J'ignore même le nom de l'iconographe, l'humilité d'une âme qui fait voir l'invisible. La tristesse qui se change en joie, une mission divine dans des corps ordinaires, une vie ordinaire en attendant la transfiguration de cette incarnation dans l'intimité de Dieu pour l'éternité. Passons de cette icône au texte de l'Évangile selon Saint Luc, qui nous présente
ce séjour de Jésus parmi les docteurs à Jérusalem. Saint Luc chapitre 1, versets 41 à 52. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Quand il eut 12 ans, aller à Jérusalem pour la fête de la Pâque, au moins quelques fois dans la vie, c'est normal pour toutes les familles juives de ce temps-là et de la région. Le récit de Luc peut laisser croire que Joseph et Marie y montaient chaque année avec leur enfant, ce qui est aussi possible. 12 ans. L'épisode, rapporté par Luc seulement, pourrait suggérer que Jésus vit sa bar mitzvah, c'est-à-dire cet événement où un enfant assume personnellement et publiquement son adhésion au judaïsme. Il devient en quelque sorte un adulte dans la foi, un fils de la loi, un juif responsable de son adhésion à l'Alliance. Ce serait un anachronisme, puisque cette fête sera établie après le temps de Jésus, lorsque les Juifs devront vivre sans temple, sans pays, au milieu de nations qui ne comprendront ni leur culture, ni leur relation particulière avec Dieu. Ce n'est pas la bar mitzvah de Jésus, mais c'est certainement l'esprit de la bar mitzvah et plus encore. L'expérience personnelle et publique de la vocation de Jésus, de sa mission dans sa vie, dans l'événement de l'incarnation. L'incarnation du Fils éternel de Dieu dans le sein de la Vierge Marie et l'adoption par Joseph. Luc dit bien que chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la Pâque. L'épisode, tellement révélateur de la mission de Jésus, est raconté comme étant un moment touchant pour Joseph et Marie, un moment unique, imprévisible et angoissant. Le récit commence et finit par la mention des parents de Jésus. Jésus leur échappe, mais ça finit bien. Il descend avec eux à Nazareth et leur sera soumis. Alors on monte à Jérusalem pour la fête de la Pâque. La mention de cette fête, la Pâque, à Jérusalem, n'est pas racontée pour situer un épisode romanesque, une belle scène dans un grand récit. L'angoisse de Joseph et de Marie racontée ici pourrait constituer une scène dans une pièce de théâtre. Ça nous touche. Nous oublions que nous avons affaire à l'Évangile, selon Luc. La bonne nouvelle proclamée, le mot grec pourrait être la bonne nouvelle criée, la bonne nouvelle de l'incarnation du Fils éternel de Dieu, la bonne nouvelle de son enseignement, la bonne nouvelle de sa passion, de sa mort et de sa résurrection.
et de l'ascension de notre chair humaine ressuscitée dans la Trinité au terme de la vie de Jésus. Vous ne vous souvenez pas d'avoir proclamé « Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant ». C'est Jésus de Nazareth, le Fils éternel de Dieu qui a pris un corps de la Vierge Marie, qui est assis auprès de Dieu. C'est donc beaucoup plus qu'un épisode plaisant. Le lieu, Jérusalem. Le temple, cette section du temple où Jésus adulte enseignera. L'initiative de Jésus, sa présence au milieu des docteurs, sa relation avec eux, l'incompréhension de Joseph et Marie, tout cela, c'est évangile, bonne nouvelle. C'est la préfiguration de la nécessité pour nous d'une nouvelle naissance. Et même pour Marie, pour Joseph, pour les docteurs, pour Nicodème, la nécessité de naître de nouveau. Pour comprendre le mystère de l'incarnation, de la rédemption par la rémission des péchés de toute l'histoire du monde, par le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance en son sang. C'est déjà l'annonce d'un évangile pour toute l'humanité, pour les humains de toute race, langue, peuple et nation. Mais revenons à ce gentil récit du recouvrement de Jésus au temple. À la fin de la fête de la Pâque, nous dit saint Luc, comme il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. L'initiative de Jésus, à l'insu de ses parents, et leur angoisse, leur incompréhension, leur réaction inadéquate, mais compréhensible, leur réaction inadéquate devant la nouveauté et la transcendance de l'épisode font penser à un autre passage de l'Évangile, du même saint Luc, la transfiguration. C'est peut-être là que nous avons la clé pour saisir Jésus au milieu des docteurs à Jérusalem, à Pâques. Rappelons-nous la transfiguration. Deux hommes s'entretenaient avec Jésus. C'étaient Moïse et Élie apparus dans la gloire. Il parlait de son départ. Le mot grec qui est employé, c'est « exode ». Ah, de son exode comme l'exode de nos pères quand ils sont sortis d'Égypte, ou même de nos grands-pères, de nos grands-pères dans la foi qui sont revenus de l'exil à Babylone. Exode, sorti vers la vie. L'Exode, il s'entretenait de son départ, de son Exode, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Remarquez les mots forts du texte de Luc. Joseph et Marie ont cherché Jésus parmi leurs parents et connaissances, sans le trouver. Ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple. Chercher sans trouver, à Jérusalem, trois jours, trouver dans le temple, trouver chez Dieu. Joseph et Marie nous semblent privilégiés par rapport à nous pour savoir qui est Jésus. Tellement d'images nous représentent la Sainte Famille avec des auréoles vivant déjà à Nazareth comme s'ils étaient dans la gloire du ciel. Mais Marie tient une quenouille, un rabot, Joseph un rabot, Jésus un morceau de bois. C'est mignon, c'est gentil. Le recouvrement de Jésus au temple annonce la passion et la résurrection de Jésus. Elle annonce aussi la conversion à l'Évangile. La connaissance intellectuelle seule ne suffit pas. La foi des parents, les connaissances intellectuelles ne peuvent pas initier à la relation de foi avec Jésus. Même Joseph et Marie doivent faire un saut dans la foi. Il faut naître de l'Esprit, et ils ne sont pas rendus là. Pas plus que Nicodème,
les apôtres, les disciples, Marie-Madeleine, les saintes femmes, les docteurs, les pharisiens, vous et moi. Beaucoup des premiers disciples seront des pharisiens. Beaucoup des premiers chrétiens seront des docteurs de la loi, qui deviendront des disciples du Christ après la résurrection et après l'effusion de l'Esprit. S'ils sont dociles à l'Esprit Saint, ils reconnaîtront Jésus pour ce qu'il est. Même les apôtres, même les disciples les plus intimes. S'ils avaient connu Jésus selon la chair, ce n'est plus ainsi qu'ils le connaissent après la Pentecôte. Ils font une relecture de toute la vie de Jésus, la vie qu'ils ont expérimentée, mais à la lumière de l'Esprit Saint. Un saut dans la foi, il faut naître de nouveau pour relire de nouveau ce que Jésus était, ce qu'il faisait, ce qu'il disait, les rencontres qu'il a eues, sa relation avec tout le monde, le supplice de la croix à la suite de son excommunication par le Sanhédrin. Tout cela ne peut s'expliquer qu'à la lumière de l'Esprit Saint, à la lumière de ce saut dans la foi. Tous, nous devons vivre une conversion pour comprendre, l'incarnation rédemptrice et la résurrection. Jésus, parmi les docteurs, écoutait et posait des questions. La relation entre Jésus et les docteurs de la loi est révélatrice de la méthode d'enseignement de Jésus que nous trouvons dans son évangile. Tous les humains, à plus forte raison les docteurs de la loi, connaissent intuitivement le monde transcendant, le monde spirituel. Les docteurs de la loi connaissent en plus la parole de Dieu révélée à Israël dans leur histoire, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et les commentaires des sages, ils connaissent la parole de Dieu, ils connaissent la Bible de leur temps. Jésus écoute et interroge. C'est une façon de faire progresser quelqu'un dans sa propre découverte de la vérité, dans l'appropriation de la vérité, par l'expérience intime et libre. Ni les docteurs, ni Joseph et Marie, ni vous ni moi n'accédons à l'Évangile par un enseignement d'autorité magistrale, par la force de la persuasion. Il faut en plus la recherche et l'accueil de l'Esprit Saint. Venons-en à l'allégresse de Saint Joseph. Au recouvrement de Jésus au Temple, l'allégresse de retrouver enfin Jésus, tempérée par une autre douleur et une autre allégresse. Tout de suite, on le retrouve. Ah bon, enfin, oui, mais une autre douleur attend Joseph. Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. « Chez mon père, adieu, pauvre Joseph, c'est qui le père de Jésus ?» Après avoir accepté d'être le père de Jésus à la demande de l'ange et avoir été reconnu comme père de Jésus par tous, même par les ennemis de Jésus. Rappelez-vous lorsque Jésus, à Capharnaüm, a son discours sur le pain de vie, il enseigne ça dans Saint Jean au chapitre 6, verset 42. Les Juifs disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ?» Nous connaissons son père et sa mère, alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel ?» Et en plus qu'il faut manger sa chair, ouf. Douleur pour Joseph de se faire rappeler qu'il n'est que le père putatif de Jésus, c'est-à-dire il était à ce qu'on croyait, à ce qu'on pensait, le père de Jésus, mais il n'était pas le père biologique de Jésus. C'est quand même par lui qu'il est fils de David, ce Jésus-là. Mais parce que Jésus a accepté de passer pour le père de Jésus. Ça fait mal pour Joseph, c'est une douleur de se faire dire que Jésus est resté chez son père et qu'il n'a pas suivi Joseph vers Nazareth. Jésus s'occupe des affaires de son père, non comme charpentier, mais comme maître et seigneur auprès des docteurs, des savants. Joseph et Marie ne comprennent pas,
Mais l'allégresse suit parce que Jésus descend avec eux à Nazareth et il leur était soumis. Marie gardait tout cela dans son cœur. Elle comprendra plus tard. Elle aura la plénitude de cette révélation après la Pentecôte, elle aussi, après le drame de la croix. Et il leur était soumis. Ah, un autre beau mot. La soumission dans le Nouveau Testament, celle que Jésus en premier a vécue, la nôtre aussi, n'est pas une chose passive, un écrasement devant l'autorité, une infériorisation. C'est une relation active, la soumission. Jésus veut librement créer avec Joseph et Marie les conditions qui rendent la communion possible en vue d'une œuvre commune. Quelle œuvre commune ? Pour Jésus, comme pour Joseph et Marie, c'est de continuer à faire la volonté de Dieu pour vivre l'incarnation dans une vie ordinaire d'un homme de Galilée, de Nazareth, jusqu'à l'heure de la mission prophétique de Jésus, jusqu'à l'heure où commencera sa vie publique. Mais il doit grandir comme charpentier, fils de charpentier de Nazareth. Voilà pourquoi Jésus à Nazareth grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Je vous propose un cantique à Saint-Joseph. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est le psaume 127. Pourquoi je vous le propose? Parce que toute l'œuvre de Jésus, l'œuvre de l'Église, l'œuvre du peuple de Dieu, c'est une œuvre de l'Esprit-Saint, c'est une œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre des humains. Bien sûr, si vous écoutez ces dimanches à Saint-Joseph, les sept douleurs et allégresses à Saint-Joseph, vous êtes des partenaires probablement de la vie du peuple de Dieu, de la vie de l'Église. Et nous nous dévouons pour le service de l'Église. En même temps, tout cela c'est vain si ce n'est pas le Seigneur qui le fait. Ce psaume 127, vous le connaissez plusieurs d'entre vous, peut-être même par cœur. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. » Je vous invite à le retrouver dans votre Bible ou dans votre bréviaire. Dans votre Bible, c'est le psaume 127. Dans le bréviaire, ce sera 126 parce qu'on suit la Vulgate, la numérotation du texte latin de la Vulgate. Je retrouve dans le psaume 127, avec un certain plaisir, des bouts de phrases qui rappellent Joseph. « L'homme au songe, Dieu comble son bien-aimé qui dort. Le père adoptif, des fils, voilà ce que donne le Seigneur. S'il affronte son ennemi sur la place, il ne sera pas humilié. Il peut être désemparé d'avoir perdu son fils et de le chercher. Il n'est pas humilié. » Le psaume est chanté en hébreu par des juifs hassidiques. Il dure près de 5 minutes. Sans connaître l'hébreu, vous serez emporté par la musique, je n'en doute pas, et vous partagerez la joie des choristes. Laissez-vous emporter par cette joie. Shalom leiboy na boy, im Hashem lo yishmari yir, shav shokat shoy bet. Im Hashem lo yir ne bayis. Shalom leiboy na boy, im Hashem lo yishmari yir, shav shokat shoy bet. Im Hashem lo yir ne bayis. Shalom leiboy na boy, im Hashem lo yishmari yir, shav shokat shoy bet. Ine ine lo yadum, lo yadum. Lo yanum ve lo yishan, lo yanum ve lo yishan, shoy me Yisrael. Hine, hine, lo yanum, lo yanum ve lo yishan, lo yanum ve lo yishan, shoy me Yisrael. Hine, hine, lo yanum, lo yanum ve lo yishan, lo yanum ve lo yishan, shoy me Yisrael.
Shalom lo boy na boy, im Hashem lo yishmori yir. Shav shokat shoy met, im Hashem lo yirne bayis. Shalom lo boy na boy, im Hashem lo yishmori yir. Shav shokat shoy met, im Hashem lo yirne bayis. Shalom lo boy na boy, im Hashem lo yishmori yir. Shav shokat shoy met, im Hashem lo yirne bayis. Shalom lo boy na boy, im Hashem lo yishmori yir. Shav shokat shoy met. Ine ine lo yadum, lo yadum ve lo yisham. Lo yadum ve lo yisham, shoy me Yisrael. Ine ine lo yadum, lo yadum ve lo yisham. Lo yadum ve lo yisham, shoy me Yisrael. Shalom lo boy na boy, im Hashem lo yishmori yin. Shav shokat shoy me, ine ine lo yanum, lo yanum ve lo yisham, lo yanum ve lo yisham, shoy me Yisrael. Ine ine lo yanum, lo yanum ve lo yisham, lo yanum ve lo yisham, shoy me Yisrael. Prions maintenant la prière de douleur et d'allégresse pour Jésus retrouvé. En partageant la douleur et l'allégresse de Joseph, prions-le d'exaucer notre prière. Joseph, Saint Joseph, au nom de ta douleur pendant les 3 jours d'absence de Jésus, et au nom de ta joie en le retrouvant dans le temple, daigne nous exaucer. Avec toi, nous voulons prier comme Jésus, ton enfant, notre guide, notre sauveur et rédempteur, nous a appris à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Adressons à Saint Joseph notre prière d'intercession.
Souviens-toi, Joseph, très chaste époux de la Vierge Marie, mon aimable protecteur, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont invoqué ta protection et imploré ton secours soit resté sans consolation. Plein de confiance en ton pouvoir, je viens en ta présence et me recommande à toi avec ferveur. Ne dédaigne pas mes prières, toi qui es appelé le Père du Rédempteur, mais écoute-les favorablement et daigne les exaucer. Amen. Je vous invite à un court moment de prière pour présenter vos propres intentions de prière. Nous avons aussi une dévotion à Joseph comme patron de la bonne mort. Prions-le. Joseph, grand Saint Joseph, toi qui es le modèle, le patron et le consolateur des mourants, je te demande aujourd'hui ta protection pour le dernier instant de ma vie, pour ce moment où je ne sais pas si j'aurai la force de t'appeler à mon aide. Fais, je t'en conjure, que je meure de la mort des justes. Afin que je puisse obtenir une si grande grâce, obtiens-moi de vivre maintenant, comme toi, en la présence de Jésus et de Marie. Que je meure dès ce moment à moi-même, à tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, afin de vivre uniquement pour celui qui est mort pour moi. Jésus, Marie, Joseph, c'est dans l'espérance de votre secours que je forme ce vœu. Soyez-moi favorable maintenant et à l'heure de ma mort, et faites que j'expire en prononçant vos doux noms. Amen. Prions maintenant pour ceux qui sont en train de mourir, pour les mourants. Loué sois-tu, Seigneur, pour Saint Joseph, patron de la bonne mort. En présence de Jésus et de Marie, il remet sa vie entre tes mains. Dieu de miséricorde, nous te présentons aujourd'hui tous les mourants. Assiste-les et réconforte-les en cette heure suprême de leur vie, afin qu'ils puissent, pour toute l'éternité, proclamer tes louanges. Par l'intercession de Saint Joseph, patron de la bonne mort, sois notre secours et notre protection en tout temps, mais surtout à l'heure de notre mort. Accorde-nous, Père, de vivre dans ton amour, afin que nous puissions accueillir ta volonté quand tu voudras nous appeler dans ton royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En mon nom personnel et au nom des sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier, gardiennes de l'Oratoire Saint-Joseph de Québec, je remercie ECDQ.tv d'avoir produit et mis en onde les 7 douleurs et 7 allégresses de Saint-Joseph. En cette période de confinement, l'Oratoire Saint-Joseph de Québec est fermé aux gens de l'extérieur de la communauté, même pour fêter Saint-Joseph. Merci de votre compréhension. Vous pouvez adresser vos intentions de prière par la poste, par téléphone ou par courriel à l'adresse que vous voyez à l'écran. Sœur Saint-Joseph de Saint-Vallier, 560 chemin Sainte-Foy, Québec, G1S2J6. Vous pouvez aussi les adresser par téléphone au 418-681-7361. Vous pouvez aussi envoyer vos intentions de prière par courriel à l'adresse que vous voyez à l'écran. Merci de nous avoir suivis et bonne fête de Saint-Joseph. Au revoir. Amen.